Bonjour, j'ai regardé la VOD que j'avais faite récemment, hein, c'est sur mon YouTube, c'est mon avant-dernière vidéo. Et je vois qu'il y avait un sujet que je voulais aborder. C'est Turty qui l'a abordé sur le stream. Je me suis fait ban par Betty hier. Alors, je vais laisser la VOD, hein, enfin je vais laisser le replay, que vous compreniez qui est Betty. Voilà. En tout cas, je vous le dis d'avance, c'est une star à mes yeux. On l'aime, on l'aime, on l'aime tous cette Betty. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je voulais suivre le replay. Non, non. Oui, mais tout le monde se fait ban par Betty. Betty, comment ça s'appelle? Betty, tout le monde connaît, hein, tout le monde connaît. Leïla Sama qui m'a envoyé des nudes. Ah, j'apprécie Leïla Sama, j'aime bien. J'avoue, j'avoue. Pas mal, pas mal, pas mal du tout. Je m'y attendais pas, joli boob. T'as de jolis boobs, Leïla Sama. En gros, Betty, Takwanso, c'est un mec super silver qui, à chaque fois. En gros, c'est un mec dans les salons, il est toujours là. Il est toujours là. Mais le mec, il veut pas faire de match. Il veut faire de match avec personne. Il est là pour être là. Tu vois, c'est comme un peu une statue. Il est là. Mais quand tu vas dans son lobby, il te vire. Tu reviens 15 fois, il te vire 15 fois. Et au bout de la 16e fois, il fait un match. Et. Si il est en train de perdre le match, qu'il lui reste 2 PV, il a le TF4. C'est ça, Betty. C'est ce mec-là. C'est un mec très connu, hein. C'est un mec. Comment il s'appelle? C'est Betty, je sais pas quoi. Je sais plus le nom, mais c'est genre laisse tomber. C'est tout le temps comme ça et il fait ça avec tout le monde. Il fait. Longcam Betty, voilà. Turty, il a le nom. Allez voir son profil, le mec il veut pas perdre, il veut pas perdre. Il est là mais il veut jamais perdre. Il veut jamais. Il y a Alt-F4 quoi qu'il arrive s'il lui reste un PV. Et déjà pour se battre avec lui, il faut batailler, il faut genre venir dans son lobby pendant plus de 30 minutes. Tu viens, hit kick, tu viens, hit kick, tu viens, hit kick. Au bout d'un moment, il attend, il fait le mort, la petite souris, hit kick. Après, tu viens, hit kick, tu viens, hit kick, tu viens, hit kick, il fait la petite souris. Genre pendant 1 minute ou 2, hit kick. Tu reviens, il te kick, tu reviens, il te kick, au bout d'un moment il sature, il accepte. Et quand il accepte, tu lui mets la mort à un PV, il a TF4. C'est ça, l'homme comme Betty. Tous les jours, matin, midi et soir. C'est ce mec-là. Attendez, on va aller voir un peu le profil. On va aller voir. Oh, langue. Merde. Sais pas ce qu'il fait. Et ça fait 4 ans qu'il fait ça, le mec. Ça fait 4 ans. C'est-à-dire, moi, avec tous les smurfs que j'ai, t'inquiète pas que j'y suis allé. Along comme Betty. Ça, c'est ce mec-là. C'est ce truc. Consultation cumulée. 3 000. Oh, frère. D'accord. Ok. 49 800 combats. Ah, regardez la tête de mort en haut à droite. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est Alt F4 à gogo. Normalement, tu vois, il y a des pouces sur les gens, des trucs genre le mec est fair play. Là, la tête de mort, c'est rage quit à gogo. 50. Ben on comprend, le mec il veut un beau ratio. On comprend cet homme. 50 000 combats, il est là depuis le 1. Il est là depuis Day One. Il est là depuis Day One et le mec il a le TF4 à l'infini dès qu'il voit qu'il perd. Et il refuse tous les versus pendant une demi-heure. C'est ce mec-là. Tout le monde connaît Lancôme Betty, bordel.
J'irai voir la chanson plus tard, Leila Sama, que tu m'as envoyée. Et joli boobs, hein, joli boobs. Vraiment, j'apprécie tes boobs. On a envie de les prendre en main fermement, hein, et de te plaquer contre le mur quand on voit ça. Pas là là. Pas, 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 pas. J'avoue, hein, j'avoue. Non, voilà, c'est ça, Long Come Betty, les gars. Ouh, les 100 derniers combats. Les 100 derniers combats, j'avais pas vu. As-tu vu? Putain, les gars, et dire que moi, j'ai besoin de passer de rookie à diamant et que j'ai 100% win sans tricher. Vous imaginez que moi, j'ai 100% win en ranked jusqu'à Diams? Et lui, il est là, Ultra Silver, à essayer d'avoir un bon ratio. Je pense que c'est les 4 ans de sa vie. Tu vois, le mec, ça fait 4 ans qu'il est là, il veut son 100%. Le mec, il jamais, à aucun moment de sa vie, il s'est dit « Ouais, mais je vais m'améliorer, je vais m'entraîner. » Non, 50 000 combats, plus les 50 000 qu'il a rage-quitté en LTF4, pour arriver à ça. Non, mais le mec a 50 000 combats, mais on compte pas les 50 000 combats qu'il a à LTF4. Parce que quand tu as LTF4, ça prend pas en compte les combats. Lui, ouais, il est au moins à 100 000 rage kit, ou ouais, plus même. C'est sûr, mais c'est sûr. Mais cet homme, mais mettez-le dans vos favoris, les gars. Ajoutez-le dans vos favoris. C'est une star ici, c'est une star. Ce mec, c'est une star. C'est une star. C'est ma star à moi. Chaque fois, je viens avec un Smurf dans son salon. Dès qu'il voit Bison, ah, dès qu'il voit que j'ai Bison en favori, c'est foutu. T'es obligé de le feinter avec un vieux main Ryu. Tu vois, tu vas dans les favoris, tu vois ce mec dans les salons, tu fais bon, on va vite enlever le main Bison, sinon il direct il me kick. Tu prends un vieux Ryu comme ça. Et là, il y a moyen. Le truc, c'est qu'il a désactivé la sélection de personnages. Donc t'arrives dans le lobby avec un Ryu, dans tous les cas t'es obligé de feinter, vite vite, paf paf, tu reprends ton main. Vite vite, tu vois, t'es obligé de le faire vite vite, paf paf, comme ça, Bison, paf start, et encore ça passe pas à coup sûr, tu vois. Ah, je vous jure les gars, cet homme, bah là là, c'est une star, c'est ma star. Voilà, pensez à ajouter Long Come Betty dans vos favoris, hein, à le liker. Ça l'aidera peut-être à progresser, on va savoir. Voilà, je voulais vous parler de lui. Bon, là, après, dans le live, on parlait de King Chung. Bon, allez voir le replay, hein, de toute façon. C'est sur YouTube. Ça s'appelle le stream de la vérité. Voilà. Je vous fais des bisous et je suis content d'avoir un peu abordé le sujet de Long Come Betty. Ça faisait 5 années à peu près, hein, depuis que le jeu est sorti, que j'avais envie d'en parler. Et le fait qu'il y ait Dirty Gros Nul et abordé le sujet, voilà, c'était une vidéo potentielle à poster sur YouTube. Je fais beaucoup de contenu ces temps-ci, donc pourquoi pas parler de choses marrantes comme Long Come Betty. Voilà, je vous fais des bisous, portez-vous bien.